Salut, salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE avancé, hybride, ligue et pays. Donc ce DCE là coûte assez cher, on va dire dans les 35 000 à peu près. On commence avec le challenger. Donc pour le challenger, il fallait deux nationalités exactement, trois championnats exactement, 6 joueurs d'un même pays maximum, 6 joueurs d'un même championnat maximum, que des joueurs hors, un collectif à 100. On commence avec Heitor, Fernandez, Joris, Nianion, Damien Da Silva, Gaëtan Laborde. Merde, je fais n'importe quoi, désolé les amis. Heitor Fernandez, pour commencer. Antonio Barragán. Sergio Postigo. Moussa Niakate. Leivin Kurzawa. Bress Mendes. Edu Exposito. Jonas Martin. Benjamin Bourigeaud, Kike et Gaëtan Laborde. On soumet l'équipe, on ira récupérer le pack après. On passe au DCE avancé. Ce DCE là, il fallait 3 nationalités exactement, 5 championnats exactement, 5 joueurs de même pays maximum. 5 joueurs de même championnat maximum, une note générale à 79 et un collectif à 100. On commence avec Walter Benitez, Giovanni Simeone. Et merde, à chaque fois je me trompe de côté, désolé les amis, j'ai pas encore l'habitude. Donc, Walter Benitez, Mario Gaspar, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Ryan Bertrand, Ibai Gomez, Beñat, Lucas Castro, James Ward-Prowse, Nathan Redmond et on termine avec Giovanni Simeone. En soumet, on passe au troisième DCE, Diabolique. Là il me manque quelqu'un, il faut que j'aille le chercher, c'est Beñat. On en a eu besoin tout à l'heure dans l'autre DCE. Hop, liste de transfert. Il est où? Il est là, Beñat. Voilà. Du coup lui aussi je l'envoie. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. Donc on passe à Diabolique. Hop, on va mettre Beñat. Il est là. Voilà, et on est bon. Collectif 90. Donc il fallait 6 nationalités exactement, 6 championnats exactement, 3 joueurs de même pays maximum, 3 joueurs de même championnat maximum, une note générale à 81, un collectif à 90. On commence avec Mike Maignan, Lucas Piszczek, Dan Axel Zagadou, Samuel Gigot, Benjamin Verbich, Marcos Llorente, Remo Freuler, Beñat, Josip Iličić, Aritz Aduriz et on termine avec Duvan Zapata. On soumet l'équipe et on passe au dernier DCE. Celui-là, il est un peu plus chiant. Il faut 8 joueurs qui a le collectif. 8 ou 9. Non, ouais, 8. Il faut 8 joueurs qui a le collectif. Ou alors 7, mais vous passez... le MG en AG. Voilà.
C'est tout. Donc, soit 8 joueurs qui a le bonus de fidélité, voilà, vous avez vu, j'ai fait les 10 matchs, moi là. Soit 7, mais vous passez le MG en AG. C'est vous qui voyez, si vous en avez en stock. C'est vraiment vous qui voyez. Sans quoi qu'il arrive, il faut que vous fassiez les 10 matchs, donc que vous en fassiez avec 7 ou 8 joueurs, je pense que ça change rien. Donc, pour ce DCE-là, il fallait 9 nationalités exactement, 7 championnats exactement, 3 joueurs d'un même club maximum, une note générale à 82, un collectif à 85. On commence avec André Onana, Pépé de Porto, Mathias Ginter. Alors là, vous prenez n'importe quel joueur qui a 81 de notes et dont le championnat n'a pas été encore utilisé. Raúl Albiol, Jesús Corona, Jean-Michel Seri, Mario Lemina, Johnny, Carlos Vela, Falcao, et on termine avec Senad Lulic. On soumet l'équipe. Voilà, on termine tout ça. On va récupérer, je crois, 13 000 crédits et une tenue. J'ai le même maillot à la maison. Et on passe. Du coup, on va aller ouvrir les 4 packs. Donc, les 4 packs, on va se les faire dans l'ordre. C'est pas terrible, honnêtement, pour le prix où ça a coûté. Donc certes, on a 13 000 crédits, mais c'est pas la folie. C'est vraiment pas la folie. Donc allez, on va commencer par le pack joueur premium or. C'est parti. Allez, une petite anime, là, ce serait cool. Pour commencer à rembourser les DCE. Ça commence mal. C'est Nkoulou. C'est pas terrible. Fellaini, Bender, ok. Allez, on envoie au club, on verra après. On va se faire le pack joueur rare mélangé. On va bien voir ce que ça donne. Il y a eu les deux petits trucs. Ça ne doit pas être un gros. France. Lucas Digne, je savais même pas qu'il avait 83 de notes. Bon, ça doit coûter un peu, c'est sympa. Ça doit coûter un peu. On va aller vérifier, mais je pense que ouais, si ça coûte. Bon, c'est cool. C'est cool. Ça se rembourse un peu. Avec les 13 000, ça va. C'est pas mal. Allez, pack méga. Allez, on y croit. J'ai pas chopé encore un 89. Ni un joueur boost. Ce serait cool que ça commence maintenant. Mais apparemment, c'est mal barré. Gardien, c'est Pickford. Mais ouais. C'est Pickford. Donc c'est pas terrible non plus. Falcao, je viens de le foutre dans le DCE. Enfin bref, ça se rembourse petit à petit, c'est toujours ça. On prend. Je débloque un pack or. Pourquoi pas avoir des surprises là-dedans? On ne sait jamais. Allez, c'est parti, le pack or. Que non, hein, je crois que quand il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de lumière, ouais, c'est clair. Bon, pas de surprise, malheureusement. Allez, on passe au dernier, le pack méga rare. Allez, c'est la dernière chance de choper quelque chose de bien. Allez, Espagnol, MC. Naples, c'est Fabian. 83. Ouais, c'est pas terrible non plus. Je pense que ça doit coûter un peu, mais bon. C'est pas folichon. Ouais, 3 000, ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Derrière, y a rien du tout. Bon, ben voilà, les amis. C'est tout. Pour aujourd'hui,
L'hybride, il reste le dernier des ceux, Hybrid League à faire. Il devrait arriver dans pas longtemps. J'ai fait les trois premiers. En fait, j'ai fait les quatre. Et ben voilà, c'est bon. Je vais oublier que j'avais mis lui. Donc, l'Hybrid League arrive d'ici peu. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. Un max de likes, un max de partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous du soutien et on se retrouve très vite. Ciao!